Bon les amis, notre petite vidéo boutique éphémère, on l'appelle un peu comme on veut, le rendez-vous où on passait les 20 voitures chez Shiftech au banc où vous étiez conviés à venir les amis. J'espère que vous serez nombreux, je vous embrasse et vous dis au dimanche 24. Comme ça qu'on le tait. Hein ? Il y a la première comme ça. Là t'as amené un chouïdo. Bon toi, quand je suis sur place pendant un kilomètre, ça ne jamais. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est à l'intérieur du petit tank. Je pense que je suis atteint du syndrome de Gilles de la Tourette parce que j'ai voulu toucher à tout. Parce que frère, j'ai touché un truc qu'il fallait pas toucher. C'est passé une dinguerie frère. Il y a tous les extincteurs qui ont explosé dans le tank et dans la baie moteur. La pédale, elle est tombée dans le fond, la pédale d'accélérateur et tout. Oh, oh là là frère, chantier, ça m'a gazé frère, je comprenais plus ce qui m'arrivait. Et donc voilà, ça c'est, je voulais vous dire ça. Et deuxième chose cool, j'ai trouvé le compteur d'heures qui était caché du tank. Que j'ai vu des modèles où il était caché par là-bas. Et en fait, il a 449 heures. Je trouve ça fou qu'il ait que 449 heures, mais en même temps 449 heures moteur tournant, c'est quand même beaucoup d'heures. Donc là, on est à l'arrière, donc là il y a tout un système à l'arrière du tank en fait. Les tuyaux rouges, tu vois là, là ça il y a un des extincteurs qui est là, qu'on voit en rouge là. Et en fait t'as tout un circuit avec des tuyaux rouges qui font tout le tour. Il y a tout un fil rouge partout là, en bas, machin. Et ça c'est tout le réseau extincteur moteur. Et il y a tout un réseau extincteur intérieur. Et vu que je suis atteint de cette maladie, j'ai mis mon doigt dedans frère. Et tout a pété. Donc il y a du gaz par, il y a eu du gaz partout. Moi je suis monté tombé dans les pommes parce qu'il y a marqué à déclencher uniquement avec un masque à gaz. Je pensais vraiment en fait qu'il était désactivé. Mais t'es dit ils ont bouché le canon les mecs et tout. Il est homologué le bordel, enfin on a le droit de l'avoir. Il y a eu un espèce de, bah comme si tu vidais un extincteur dans la gueule à quelqu'un. Donc là on est en train de voir avec Dylan le merdier, on va essayer de voir comment on peut recharger ça. En fait moi dans ma vie, il y a toujours des trucs tu vois. Là on a eu un bel événement, le concours s'est bien passé, les gens ils m'ont pas insulté de sale escroc. J'étais en stress, je m'étais dit si les gens ils commandent pas et tout, comment je vais faire parce que moi c'est pas... Ou le concours finalement il dure un an et demi frère, parce que le gars il a pas réussi à rembourser ses trucs. Moi dans tous les cas frère, je les fais gagner les 20 voitures. Que j'y arrive ou pas, tu vois. Alors là, évidemment, on est encore pas à zéro. Non, le concours est encore pas remboursé, mais c'est sur la bonne voie. Et donc, en fait, tu vois, là, il y a marqué ne jamais toucher à ça. Et donc, moi, j'ai vu le truc en caoutchouc, j'avais envie de mettre mon doigt dedans, et je voyais des boutons et tout, tu vois. Et donc, j'ai appuyé dessus. Là, il y en a d'autres devant moi, deux autres boîtiers, mais il y en a un, faut carrément péter un truc en ferraille, là, pour que ça saute. Et là, il y a d'autres trucs. Donc là, heureusement, je l'ai pas fait, ça se trouve, j'aurais tout pris en pleine gueule, là, je sais pas d'où ça sort. Je me disais, mais c'est quoi cette merde, tu vois, avec plein de fils et tout. J'ai dit, ah, oh, j'ai levé ça, frère. J'ai touché à ça, j'ai appuyé là, là. Oh. De la fumée partout là-dedans, de la fumée partout dans le moteur, un espèce de gaz chelou frère. Et là je commençais à voir, j'étais là comme ça, je m'endormais mec, j'étais là comme ça, je savais plus où que j'étais. Je suis sorti frère comme ça. Mais personne se rendait compte de rien, il y avait des potes à moi derrière, il y avait Ralid qui était là qui me tendait un bâton parce qu'il a trempé son bâton dans je sais pas quoi dans le moteur. Il me disait c'est du gasoil ou c'est de l'essence. Et il était là, il me calait son bâton dans le museau frère et j'étais là mec en train de m'endormir. Mec j'ai failli tomber dans les pommes. Bon les gars, on vient de découvrir avec Dylan et Nico de l'Aftral. En gros on avait un problème, le truc il fumait. Mais quand je vous dis il fumait à mort. On s'est dit c'est quoi, vu que c'est un gigamoteur, c'est peut-être des injecteurs qui sont restés ouverts et qui ont pompé de la merde dans le fond d'un réservoir. Et en fait j'ai dû toucher à une mauvaise manette. Et il y a un système sur le tank qui injecte du gasoil dans les pots d'échappement. Donc en fait le système il est là. Là il y a des gros tuyaux qui descendent dans les collecteurs d'échappement. Et le collecteur, une fois qu'il est chaud, que le moteur est à température, il injecte à mort du gasoil dans les collecteurs d'échappement. Et du coup le gasoil il brûle qu'à moitié. Il y a une sorte de réaction avec les particules de flotte et tout. Et ça envoie une fumée les gars, mais abusé. Ça a fait un nuage de ouf. Et il y a tellement de boutons de partout dans le tank qu'avec mon coude ou avec je sais pas quoi, j'ai dû toucher un bouton. Le seul problème, c'est qu'on sait pas quel bouton c'est. Bon, on a appuyé partout. On a appuyé partout, tu vois. C'est un peu de ma faute l'histoire des extincteurs qui ont explosé. Mais en fait, c'est fait pour utiliser de 800 à 1000 tours minute. Tu mets ça, grosse injection de gasoil et ça fait un giga nuage. En gros, si t'as pu les fumigènes, les lances fumigènes sur le côté du tank, t'appuies là-dessus. Et gros, t'as un écran de fumée, mais tu vois plus rien et ça peut te permettre de te barrer, de te sauver en cas de guerre ou de galère. Bon, en tout cas, on a trouvé le problème. Là, ça fuit plus, donc on a dû rappuyer sur le bouton, mais si jamais ça venait à recommencer, on viendrait défaire ici et là, là. On mettrait une petite bille dans le tuyau pour que ça vienne bloquer le débit de gasoil et au moins on serait plus emmerdé parce que nous on n'a pas besoin de faire de la fumée. Petite parenthèse, il y a un abonné qui m'a envoyé ça avec un petit mot, trop sympa. Pour ceux qui ont vu la vidéo du tank, sur un tank, il y a tout qui est freiné. Dans la vidéo, on s'est fait chier avec des pinces et il y a un abonné qui m'a envoyé un vieux outil. Et en gros, cette pince là, elle sert à faire le freinage. Donc là, tu passes ton câble et là, tu te fais même pas chier à serrer fort parce que tu galères avec une pince. Tu serres le bout avec la pince. Tu bloques là et voilà. Wow. Et là, tu coupes, hop là, et là, tu rabats.
Et là, t'as un truc qui est freiné, qui est super bien freiné, c'est propre, c'est net. Trop pratique, donc merci à l'abonné qui m'a envoyé ce petit cadeau, surtout que c'est une vieille pince, c'est vieux, c'est la marque, c'est Facom, c'est à l'ancienne, franchement, je suis trop fan. Bon les gars, nous voilà devant le magnifique Can-Am du Seigneur, que je viens tout juste de recevoir. Alors là, ce que je voulais faire, parce qu'il est arrivé depuis 4-5 jours, je ne suis pas monté dedans, genre le descendre de la dépanneuse et le mettre là, c'est Ralid qui l'a fait. Je voulais vous filmer mon ressenti, je me suis pas assis au volant. C'est un tout nouveau modèle, on va le démarrer, on va aller faire un tour ensemble, et je vais vous le présenter, parce qu'il y a plein de nouveaux, plein de changements, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien modèle. Maintenant, en plus, il y a une petite poignée à l'extérieur, là, hop. Et l'intérieur, c'est une dinguerie, les sièges, c'est une dinguerie, il y a les palettes. Là, on est carrément sur une boîte automatique, un peu comme une M4, une boîte double embrayage avec des palettes au volant. Donc, on va aller essayer ça tout de suite, les amis, voir mon premier ressenti. Je suis pressé de me mettre au volant, de voir ce que j'en pense tout de suite. Juste avant, on va aller essayer un petit bolide du concours. Bon, maman, tu préfères quel 4x4 ? Parce que je sais que tu as roulé le X5, tu vas me faire raquer un X5, je le sens. T'as kiffé cette voiture-là, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs. Attention, il est pas ridicule le X5 au démarrage. 400 chevaux de plaisir, X5 45E, alors BM, mais nous on a toujours kiffé BM. Et celui-là, t'as kiffé aussi? Ah oui, franchement j'ai kiffé aussi. En fait, maman, elle a roulé les deux quand on a fait... Oh non, regarde les petits canards. Walt Disney, carrément. Ils sont trop excellents. Nathalie s'est fait un petit plaisir avec le X5, elle s'est pris une semaine, le X5, et elle s'est pris une semaine et demie même, le GLC 43 AMG. Tu préfères lesquels? X5. Oui. Pourtant, lui, il est un petit peu moins gros, il est un peu passe-partout. Alors, par contre, oui, il est moins gros, il est passe-partout, il est vraiment pratique. Mais alors, par contre, au niveau confort et souplesse et tout, alors là... C'est quelque chose. Hein. Oh là là, oui. Ouais, bon, après, nous, on est mort du BM. Ah, nous, on est des passionnés avec ma mère. En fait, on est sur une base de moteur de 335i, parce que c'est un 45E. Mais à l'ancienne, les BMW, quand t'avais 45, ça faisait 4,5 litres. Oh non, un moteur 335. Donc là, on est sur un 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo compressé. J'imagine que c'est sûrement une base des anciennes 335i qui sont après devenues les 340i. Et donc là, c'est ça. Et là, on voit les fils orange derrière. Et là, ça, c'est le circuit électrique. Donc en fait, il y a une hybridation. Donc il y a quand même des batteries. Et c'est ça, en fait, qui donne la puissance. Ça fait 400 chevaux. 400 chevaux avec une petite partie électrique. Mais on est quand même sur un putain de moteur dès le départ. Après, le délire du truc qui part sans démarrer. Et tout, moi c'est pas trop mon kiff, mais par contre faut reconnaître un truc, et moi je suis pas du tout électrique et tout, mais par contre le confort de la Tesla, faut dire que c'est faut être honnête, c'est confortable, même si je préférerais tous les matins que ce soit mes chiottes et que j'aille chier dedans. Là on est sur un V6. Oula, oh. Oh, c'est joli, on dirait un bijou. Et bah voilà, regardez ça les amis, on va tout déclipser. Oh bon, on n'y voit pas grand chose de plus, c'est un V6. Un magnifique V6, tu vois, donc là on voit le haut d'une culasse, le haut de l'autre. Turbo compressé, donc on est sur un V6 3 litres. C'est pour ça qu'on le compare quand même avec le X5 45, parce qu'on est sur un 3 litres. Alors l'autre c'est un 6 cylindres en ligne, là c'est un V6. Et on a pratiquement 400 chevaux, s'il en est à 367 chevaux de mémoire, les 43 AMG, je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont kiffé le X5, qui ont kiffé le GLC, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont kiffé la 530E, qui est une folie aussi, et la 508 PSE. Ça, c'est vraiment deux monstres. Et quand même, il y a plein de gens qui ont dit « Oh, la PSE, oh la BM Break !» Regarde la beauté, frère, de la voiture. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est toute neuve. L'intérieur, c'est une folie. Les petits feux bleus et tout. Là. Oh là là. Les feux laser. Maman, c'est les feux laser qu'il y a dessus. Donc là, si vous voulez voir la vie de Nat, les gars, elle va partir essayer ça. Donc ça sera sur son compte Instagram, Nat Boiserie. Elle a 220 000 abonnés. Et c'est aussi sur laboiserie.fr. 830 et quelques mille abonnés. Donc on fait des petits réels pour montrer nos avis sur tous les 4x4. Et on met ça dans les stories, la boiserie, sur mes stories à moi. Et aussi sur le compte Instagram de ma mère. Mais de toute façon, je vous réserve une vidéo, comme promis, où on fait l'essai des vins. Et aussi où on va passer les vins au banc. Bon, les gars, l'essai du Can-Am arrive. J'ai pas pu m'empêcher de vous parler de cette magnifique Audi TTRS. Comme tous les blaireaux, j'avais préféré mettre mon oseille dans une R8. Non, franchement, j'adore les Audi R8. Mais putain, mais elle va me casser les couilles, celle-là. Oh, le cul. T'as vu les feux arrière? Donc, on va essayer le buggy. Ça fait des jours que ça me démange. Je suis vraiment pressé d'essayer. Mais j'essaye de faire durer un peu le plaisir, parce que j'ai trop envie d'aller là, de l'essayer, première, deuxième. Est-ce que ça roule mieux? Est-ce que ça prend moins de tours? Est-ce que... Voilà, on va voir ça dans cette vidéo, les amis. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Là, je voulais vous parler de cette Audi TTRS. Mais juste avant, regardez. Cette magnifique entrée de château, ce magnifique petit portail. En fait, historiquement, on a retrouvé dans les ronces et dans tout le merdier des gros plots comme ça. Et je trouvais ça trop dommage de laisser ça pourrir alors que c'est des putains de monuments de château. Là-bas, tu vois, il y a un espèce de gros tas de merde là dans les arbres et tout. Ça a repoussé tout le truc. Enfin, il a dû se passer peut-être 100 ans. C'est super vieux. Et il y avait ces deux gros pylônes.
Enculé ! Il y avait ces deux pylônes, frère, qui traînaient. Ces gros trucs-là. Ça, c'est mon panneau interdit de prendre des photos. Mais putain, il a gondolé, frère, il a pris l'eau. Ah, on est obligé parce que les livreurs, ils sont taquins, les livreurs. Ils viennent au château, mec, et dès qu'ils livrent, après, ils sont là. En repartant, ils sont là, comme ça, tac, ils font une photo. Ça fait des années maintenant que les gens, ils me prennent en photo en scred, ils regardent comme ça. Mec, je les crame direct. Par exemple, quand je suis au restaurant avec la femme de mon meilleur ami, tu vois, c'est un peu compliqué de se faire prendre en photo. Tu vois, elle a pas forcément envie, la dame. Mais je suis pas une putain comme ça, moi, je saute pas les copines de mes potes. Merci de pas prendre de photos parce que c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, on a des nouvelles voitures, tu vois. Pour le concours, c'était une galère. Fallait que je cache 20 voitures. Je vais pas me plaindre, mais il y a quand même beaucoup de gens qui respectent et on a beaucoup de livreurs qui sont vraiment agréables et sympas. C'est pas du tout ce que j'ai connu il y a quelques années, les gars, où j'étais en train de me castagner tous les 4-5 matins parce qu'on avait des fous. Et là, on a vraiment des équipes top et ça fait trop plaisir. Et donc, en fait, vu que là, on est en train de finir l'entrée du château et tout, c'est beau de remettre ces petits édifices là devant le château. Donc là, le bitume qui est vieux et tout, on va refaire un beau bitume propre. Et là, le seuil du portail, on va mettre des beaux petits pavés. À chaque fois qu'il y a une quéquette rouge qui ressort de chaque côté, je vais mettre des beaux petits lampadaires. Mec, ça va être un film de cul ! Bon, ça m'aura coûté 1 million. Totalité des travaux, on est sur 1 million d'euros de travaux. Mais par contre, frère, ça va être un film de cul. En parlant de film de cul, je suis en train de monter une love room, ça va être quelque chose. Putain, mais regarde Nat comment elle arrive. Accélère, Nat ! Oh ! Oh, comment il est parti ! Je pensais pas qu'il serait parti comme ça, mais mec, c'est un monstre ! J'ai envie de faire du Airbnb, j'ai envie d'essayer ça, j'en parlerai sur ma chaîne secondaire, mais je vais monter à un club échangiste, je le sens dans pas longtemps, là. Ça va être quelque chose ! Bon, parlons de cette voiture, les gars. Je m'excuse, on est à la campagne, les gars, la voiture, elle est crado. Mais regardez-moi la gueule qu'elle a ! Elle est vénère à mort, la caisse ! J'adore les petits feux, le nez qu'elle a et tout, les petites jantes 5 bâtons, j'adore, elle a donc... Elle reprend le... mec, elle est pourrie, la caisse, on l'a défoncée. Le freinage de la RS3, le cul, j'adore. Et elle, mec, j'ai que envie de la garder. Et là mec, la TT, je trouve que pour moi, c'est la meilleure version de la RS3, entre guillemets, parce que le moteur et tout le bordel. Les petites sorties avec le diffuseur, magnifique. Elle est trop belle, mec. En plus de ça, ça mange des Audi R8. Bon, Audi R8 V8. Attention, Nat, elle ressort. Attention, là, ça va partir fort. Alors là, on va voir, parce que le X5, il part particulièrement fort, les gars. Oh, le bruit du petit V6, tu sais ce qu'on aura entendu, les gens ils vont se foutre de ma gueule, mais c'est vrai. On aura entendu soit une Nissan 350Z, soit une Nissan GTR 35, hein, c'est vrai. Moi j'aurais dû une 36, là, les Golf 36, R36. Hein ? Ah, R32 ! Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte, ce narlo, il est bourré ou quoi ? Les gars, regardez, je vous montre. Eh, lui, regardez, ouais, ce beau gosse. Attention, Kylian, les gars, à ne pas le rencontrer au Delirium Café ou dans les bars d'Angers. Oh, les petits baquets, frère. Oh ! Ils sont plus beaux que des sièges de RS3 encore. Couleur carrosserie, la peinture ici, là. Mec, les surpiqûres, franchement. Le volant ! Démarrage ici, Select Drive là. Le petit volant a tout ajouré et tout, là. Oh ! Pas d'écran comme sur les RS3, tu vois. Chelou, ça fait chelou, mais tout est là-dedans, tu vois. L'écran, en fait, tout est là-dedans, tu vois. Oh non, j'avais pas vu, il y a carrément des petits écrans, mec, dans le truc d'air. Oh la classe, mec, j'avais même pas vu ça. Là, c'est marqué Bang & Olufsen, mon gars. Donc, niveau musique, ça doit être chaud, ça cogne là-dedans. Je croyais pas que ça allait partir d'un coup. Ma main allait. Mais mec, c'est ouf. T'as vu comment ça te remonte le sang? Ah, c'est une folie, mec. J'ai jamais eu des meilleures sensations que dans des RS3 et toutes ces voitures-là en launch. Avec ton bec bleu. Partez-vous, Barbe Bleue. Et Barbe Bleue, il tuait ses femmes. Barbe Bleue, bec bleu. Ah, lui, Barbe Bleue, il prenait ses femmes, il les mettait dans le sous-sol, frère, et puis il les violait, puis il les tuait. Putain, c'était un salaud, celui-là. Regarde l'intérieur qui vient. C'est plus du virtual cockpit, frère. Get tout le cockpit, il est virtual, Narlo, et même la tablette. Oh. Bah, oh, ça, c'est ouf. Hein. Elle est belle. Hein. Elle est toute neuve. Elle est toute neuve dans le papier. Là, le cul qu'elle a, mec. Oh. Oh, le break de chasse, mec, derrière, comment t'es bien. La place que t'as derrière, gros. Oh, puis ce que j'adore, mec, c'est les ceintures M. Oh là là, toutes les options, tous les écrans de partout, franchement, ça, c'est trop stylé, mec. Et là, après, les gars, un bolide que je voulais m'acheter, que j'ai pas acheté parce que je trouvais ça un peu cher à l'époque. 508 PSE. Franchement, je suis trop content d'en avoir une pour l'essayer, pour un peu la rouler et tout, parce que c'est vraiment ouf comme caisse. Les gros freins devant, t'as vu la taille des gros freins devant, les belles jantes, tous les petits flaps, tu vois, tous ces détails-là devant, ça lui donne une gueule, mec. Là, regarde, c'est pareil, hein, le petit retour qu'il y a là, le diffuseur derrière, mec, c'est une folie la caisse. Le cul qui est là. Tiens, j'ai jamais regardé le coffre. Oh putain !
Oh, le truc de mort. Après, l'avantage, c'est que c'est que des voitures où t'es pas obligé de les recharger et ça reste pas des gouffres en consommation. Petite enceinte focale, le petit subwoofer focal. Oh là là. Et ils ont taffé, mec. Hein. Ils ont taffé Peugeot, frère. L'intérieur, mec, semi-cuir, semi-alcantara. Les portes, même les portes arrière, elles ont pas de montant. Et regarde le travail sur les sièges. Regarde comment t'es capitonné, mec. Là, t'as encore du tissu au milieu. Là, l'alcantara, il est capitonné. Là, il y a les surpiqûres vertes. Là, t'as du cuir à l'extérieur, mec. C'est trop bien taffé, franchement. Là, mec, guette le bois que t'as dedans, normalement. Oh là là, trop stylé. On dirait vraiment un volant de 208. Il est tout petit, le volant. Je sais pas. Oh non, elle part en électrique. Ah non. Oh, le bruit. Et là, tu vois, à l'intérieur, mec, t'as un tableau de bord d'Aventador. L'intérieur, mec, c'est la même largeur qu'une Aventador. Ça a une bête de gueule, il y a plein de confort. On est vraiment... Les deux, elles se comparent vraiment. Là, pareil, t'as encore presque 400 chevaux là-dedans, mec. C'est énorme, hein, c'est un truc de ouf. Ils ont pas mis ça avec des freins de merde, tu vois. Ils ont mis des gros freins, un peu comme sur les 308 GTI. Il y a quand même des gros pneus. Elle est très cohérente, l'auto. Là, les gars, le meilleur achat de ma vie. Franchement, je regrette pas. En gros, je voulais une RS3, mais qui consomme pas. Du coup, j'ai pris la 35 TDI, 150 chevaux de plaisir. Les petits échappements maintenant chez Pro Weld. Le petit kit carrosserie de partout là, c'est un fabricant, s'appelle Maxton, qui travaille avec Shiftech depuis des années, donc on a tout mis Maxton. J'ai mis des petites cales, j'ai mis le bas de caisse devant, regarde la gueule qu'elle a, elle est incroyable, petite lame. Oh merde, oh les bâtards, c'est des logos qui sont juste peints, j'ai pris plein de projections de pierre, oh je me suis fait baiser tiens, oh, oh je me suis encore fait enculer tiens. Ah tiens, ils m'ont encore enculé, tiens. Je suis content d'avoir mes bolides et tout, mais ça, mec, quel kiff. Bon, allez, c'est parti, les amis. J'ai bien fait tarder ce petit moment. Je vais rentrer dans mon magnifique Can-Am. Alors, première fois que je me mets au volant. Oh putain, la pédale de frein, elle est immense. Déjà, mec, il y a des boutons au volant, mec. Connectez votre téléphone Bluetooth via cette application. Tu sais qu'il y a l'Apple CarPlay, mec. C'est quoi, Waze. Mettre Waze, frère. Je sais pas à quoi ça sert, mec. Parking, neutre. Et là, c'est lente et mode manuel. Ah, voilà, marche. Non, caméra de recul. Il y a pas le côté variateur où faut faire hein, le monter dans les tours et ça prend d'un coup, tu vois. Première, donc là, la boîte est claque. Mode manuel. Ah, merde. Qu'est-ce qu'ils ont branlé, frère? Mais c'est quoi ce bordel, mec? Les vis, elles sont pas serrées. Ah, elle est serrée, bah voilà, elle est serrée à fond, frère. Bah, il l'a mis de travers, ouais. Il l'a serrée à fond, mec. Ah, les gars, je vous avais dit que je serais transparent. Dans mes vidéos, il n'y a pas de mytho. Même si le vendeur de chez Motors Avenue, c'est un amour, et quand il peut m'arranger, il essaye de m'arranger. Moi, quand j'achète du matos, là, surtout qu'on est sur un buggy à 55 000 €. Oh, j'espère que les trains roulants et que le moteur et que tout, ça tient dans le châssis, frère. Bon, les gars, ça y est, on va l'essayer enfin pour la première fois. Des petites vis foirées ou mal mises, bon, ça peut arriver d'avoir des petits détails comme ça, mais là, c'est chiant, la poignée. Le rilzan qui est cassé, la vis qui est foirée, là il manque une vis, là il y en a une qui tient pas. Ce qu'il faut savoir, je le répète les amis, c'est pas du placement de produit, je suis pas payé par Can-Am, j'ai pas eu le 4x4 gratuit, même si le magasin qui me vend tous mes Can-Am, ça se passe très bien avec eux et que c'est des gens adorables, le but de la vidéo c'est de vous en parler et de dire la vérité. Sur les autres buggy, j'ai toujours dit que c'était des trucs de ouf parce que c'est des trucs de ouf. Donc là on n'est plus sur un variateur comme l'ancien, on est sur une boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Alors là si j'ai bien compris, je suis en D, je suis en mode manuel. Oh là, la vitesse elle passe comment? Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait. Allez, on réessaye. Ah là, ça va. C'est réactif pour l'instant. Rétrogradage. Ah, ça veut pas rétrograder. Alors là, il faut savoir qu'on est en mode rodage. Donc pendant 200 km, faut pas trop taper dedans. Il y a un espèce de bruit de turbo qui est incroyable. C'est pas mal. Donc les gars, je vais vous faire la présentation, le tour de ce nouveau bolide. Est-ce que ça va être mieux? On verra quand il sera rodé qu'on va vraiment taper dedans, parce que c'est peut-être ça. Peut-être qu'à 6000 tours, la boîte est rétrograde bien, et peut-être que je veux passer trop les vitesses à bas régime. Ils ont mis des giga triangles à l'avant. C'est beaucoup plus stable, il y a plus de débattements de suspension. Les triangles sont beaucoup plus gros, tu vois, là, les triangles, ils sont vraiment renforcés. Et moi, je le sais, parce qu'on a défoncé le premier, le triangle, je l'avais arraché. Moi j'ai pris l'option avec le pare-buff devant. Première chose qui saute à la gueule, les feux, ils ont une gueule extraordinaire.
Il a une tête, c'est un monstre. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant que l'autre, mais ça, encore une fois, on va comparer ça quand il sera à côté. Ils ont mis des gigas étriers. Quand tu vois la taille de l'étrier, mon gars, tu vois que c'est beaucoup plus sérieux qu'avant. La pièce de la fusée qui revient jusqu'ici, c'est énorme. Les biellettes de direction, elles sont énormes. Le cardan, ils sont immenses. Enfin, pourtant, l'autre, il est pas cassable. Hein. Mais ils ont voulu faire encore mieux. Les jantes, elles sont magnifiques. J'ai entendu dire qu'elles cassaient. Donc, on verra si mes jantes, elles cassent. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait eu des soucis de jantes qui cassaient. Bon, je trouve ça beaucoup plus joli que les anciennes versions. Les disques, dedans, on voit le gros étrier qui est devant, qui est beaucoup plus imposant. Et là, on est sur un freinage de voiture. Le modèle de base, il doit être à 51 quelques mille euros. Et dès que tu prends le pare-brise, tu vois, ça, j'ai pris le pare-brise, j'ai pris le pare-buff, j'ai pris les petites fenêtres là en grillage. Tu sais, ça, c'est vachement pratique pour la boue et toute la merde. D'ailleurs, très dommage. Première chose que je vois sur l'ancienne version, moi, j'ai ce... Tiens, il y a quoi ici? Ah, le lave-glace. Donc là, je trouve ça très dommage que quand on prend les fenêtres, il n'y ait pas un petit bout de plastique qui va là. Parce que là, c'est vraiment le pire endroit qui envoie de la merde. Attention, j'ai pas essayé. Peut-être que ça retient toute la merde. Je suis pas du tout sûr quand tu fonces dans une flaque. À mon avis, t'as de la merde qui rentre là. Devant, t'as la grosse prise d'air ici. La prise d'air, elle est vraiment stylée. Elle vient au milieu. Sinon, derrière, il y a beaucoup plus de place que sur l'autre là. T'as des crochets un peu partout. Là, 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 tu sais que tu peux vraiment mettre un gros sac, des bidons, mettre des. Il y a plein de crochets. Tu peux mettre des sangles et tout. Là, c'est vraiment beaucoup plus pratique que sur l'ancienne version. Regarde la taille des bras, gros. Ils sont énormes. Mec, c'est énorme. J'espère qu'ils ont renforcé les cardans, parce que ça, c'est une grosse maladie sur l'autre. J'en ai cassé 4 ou 5. C'est bien monté, c'est beau, c'est de la belle ferraille. La boîte, tu dirais une boîte de BMW M4R, de la taille de la boîte, mec. Le moteur, il s'arrête là, les gars. Là où il y a ma main, le moteur s'arrête là. Tout l'arrière, là, tout ça, c'est la boîte de vitesse automatique. Elle est immense. T'as l'impression que c'est une boîte d'M4. Là, la grosse barre stable, elle est grosse aussi, grosse biellette. Là, on a l'impression que c'est une caisse prépa. Tu vois, là, il y a l'intercooler en haut, donc le radiateur d'air de turbo. Ici, il y a le gros turbo caché derrière la volute. Là, il y a la grosse downpipe sortie de turbo, tu vois. Donc même le truc de refroidissement d'échappement, ils l'ont un peu travaillé. Là, il y a le gros pot d'èche. Les suspensions qui sont toujours immenses. Un accès pratique et rapide au filtre à air qui est là. Ils ont vraiment fait un truc de fou. Donc on est toujours sur un 3 cylindres turbo. Donc maintenant, ils ont mis un beaucoup plus gros turbo. Déjà, rien que là, à 3-4 000 tours, on entend le truc qui a des grosses décharges de Westgate et tout. T'as l'impression que tu roules une caisse prépa. L'ancien modèle, c'est un 900 cm3 turbo. Là, on est sur un 1 litre. Donc là, c'est un 1000. 1000 turbo, donc on a 100 cm3 de plus. D'un variateur, on est passé sur une boîte automatique 7 vitesses. Et de 200 chevaux, on est passé à 240 chevaux. Donc celui-là, il fait 240 poneys. Il a une putain de gueule. Là, il y a du gris. Là, une autre sorte de gris. Là, il y a du noir brillant. Là, il y a du noir mat. Franchement, ça déboîte. Le truc, il a trop de gueule. Les ceintures et les sièges, ça a l'air d'être les mêmes qu'avant. Le petit pare-brise à l'arrière que j'avais pas sur l'autre, parce que c'est vrai que quand tu freines avec les gros crampons, t'avais tendance à prendre des mottes de terre derrière la tête. Ça, c'est quand même vraiment bien et pratique d'avoir le pare-brise à l'arrière. J'ai repris le pare-brise plastique, même si je suis pas très convaincu sur l'ancien modèle, parce que dès que t'es dans la boue, dès que tu t'amuses avec de la flotte et tout, lui, il te fait un arc de cercle là, tout rayé, tout mat. Et à un moment donné, il faut le poncer, machin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jamais m'en servir pour l'instant. Et chez ShiftTech, on va mettre un PPF transparent en espérant que ça raye pas et que ça vienne protéger un peu quand il y a de la boue, etc. Parce que moi, je les utilise vraiment les conditions à fond. On retourne essayer ça. On va voir ce que ça donne. Bon là, même sans taper dedans, le mode auto, il a l'air de plutôt bien fonctionner en vrai, faut dire la vérité. Oh là là, par contre, les suspensions, mon gars. Ah, c'est le siège. Ah, il était pas bien clipsé. Ça a l'air d'être fou en suspat. Le débattement, il est plus important que l'autre. Ah, par contre, la boîte auto, quand tu la mets en mode auto toute seule, elle a l'air de bien gérer la crise. Donc en mode manuel, ça a pas l'air fou pour l'instant, mais à mon avis, quand il sera rodé, qu'on pourra taper dedans dans les tours, à mon avis, ça doit être bien. Les vitesses, elles passent, 3, 4. Et quand tu rétrogrades, tu vois, hop, ça rétrograde tout seul, tu vois. Donc à mon avis, c'est quand même bien fait, ils auraient pas fait une bouse. Dès que tu touches... Oh là là, quand il charge le turbo. Il a l'air d'avoir le diable. Faut roder le moteur, mais faut aussi roder la mécanique, faut roder les freins. Donc faut vraiment y aller mollo au niveau du freinage au début, parce que sinon on va glacer les disques. Oh, le bruit du turbo, c'est impressionnant. Ah là, la boîte en passage, elle est réactive. Ah, par contre, ça rétrograde pas. Peut-être que le mien, il a un problème, hein, je sais pas, mais
Le rétrogradage aux palettes, il fonctionne pas sur le mien là. Je pensais qu'il rétrogradait, mais en fait, à force de freiner, il finit par rétrograder tout seul, même en boîte. À mon avis, la palette, elle a été mal montée, ou il y a un fil qui a été coupé. Ils vont venir le récupérer et puis bidouiller ça. Et puis on finira la vidéo une autre fois. Bon, les amis, comme vous avez vu, on a eu un petit souci de palette. Les gars, ils sont arrivés, ils ont récupéré le buggy, ils l'ont ramené. Là, on est deux jours après. Ils nous l'ont ramené directement réparé, donc ils ont vraiment été top moumoute, ça fait trop plaisir. Donc là, les deux sont à côté. Là, on voit déjà direct que ça n'a pas la même gueule, mais attention, encore une fois, moi je trouve que celui-là, c'était vraiment une réussite de ouf. Bon, ils ont quand même réussi à faire mieux, mais on n'a pas prouvé pour l'instant parce qu'il est encore en rodage. Je vais vous refaire une vidéo quand celui-là, parce qu'en fait, la procédure de rodage, elle fait 300 km sur celui-ci, elle est un peu plus grosse, normal, que sur l'autre. Enfin, c'est approximatif, 200 bornes, ça aurait pas été très grave, mais il faut vraiment que j'aille faire de la balade, du chemin, m'amuser avec, qu'on le rôde bien comme il faut pour pouvoir après taper dedans à mort, voir la différence avec la boîte de vitesse. Le rétrogradage, il est complètement réactif, mais c'est qu'en fait la palette ne fonctionnait pas. Donc là, j'ai refait un petit tour, et dès que tu touches à la palette pour rétrograder, paf, ça redescend en rapport direct. Donc vraiment, il n'y a aucun souci au niveau de la boîte. J'ai eu vraiment peur avec ça, mais c'était vraiment une panne à l'usine, donc problème réglé. Déjà, on peut voir, comparé au modèle d'avant, tu vois la taille des triangles là, et ici. Là, tu vois que la fusée, elle ressort complètement. Donc ça, c'est vraiment le triangle supérieur qui revient jusqu'au-dessus du pneu. Et là, tu vois ici le triangle inférieur qui est immense. C'est un IPN, le bordel. Tout ce qui est biellette de direction, cardan, tout ça, ça a été surdimensionné. Bon, la face avant, après, c'est un autre délire. Faut aimer ou pas. Moi, j'adore. Donc là, regardez la poutre ici, là, du gros bras arrière qui tient la fusée de la roue arrière. Quand vous voyez l'espèce de masse qu'il y a là, regardez tout de suite celle-ci. Ils ont surdimensionné le bordel. Celui-ci, notre petit Jean-Marie, une fois il est arrivé, il a fait 3 tonneaux. Le bras, il a plié direct. Bon, là, peut-être que ça subit mieux les tonneaux. Là, ce qu'on peut voir aussi ici dedans, je sais pas si vous le voyez. Et vous voyez le disque ici, on est vraiment sur un disque tout fin qui fait peut-être 3 mm d'épaisseur. On est vraiment sur un système quad, vraiment quad moto. Et là, maintenant, regarde le même. La taille de l'étrier, c'est vraiment un étrier qui ressemble à un étrier de bagnole. Et là, vous voyez le disque, les gars, il est sur 1 cm d'épaisseur. Donc, comme je le disais juste avant dans la vidéo, on est sur un freinage qui ressemble beaucoup plus à un freinage de voiture. Donc, à mon avis, qui va être plus endurant, plus performant. Donc, lui, il est vraiment réussi. Et lui, en fait, il est un peu plus gros, un peu plus haut. La boîte avec les palettes, etc. Mais à faire le mongol dans la forêt, en passant à 130 entre les arbres, est-ce qu'il est plus efficace? C'est ce qu'on verra. Je vais bien le roder et je vais vous refaire une vidéo où je compare les deux avec mon pote Samir qui est vraiment un mongol en buggy et qui a un putain de niveau. Et on va pouvoir vraiment comparer, faire des départs arrêtés, faire des 0 à 100. Et comme ça, on va vraiment vous les comparer pour vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie, même si on a une petite frayeur au début. Bon, maintenant les gars, regardez la belle petite YCF qui est là. Ça fait des années qu'on a commencé les vidéos avec des YCF, des 190, avec des motos qu'on nous a filées. On a fait des vidéos sur circuit, on a fait des vidéos de moto et maintenant avec le temps qui passe, je fais de plus en plus de projets. C'est vrai que j'avais fait un peu moins de vidéos YCF. Donc c'est l'occasion les gars d'aller rencontrer Geoffrey, le chef des YCF à Caen. Et on va retourner à l'usine là où on a été il y a quelques années avec Babas. Et on va aller voir les nouveautés, ce qui se passe, ce qu'il y a dans le showroom. On va aller kiffer et on va revenir en plus avec une putain de moto. Donc les gars, c'est parti, rendez-vous chez YCF. Cher ami, bonjour. Lucien. Après 16 ans. T'es toujours vivant. Bon les gars, on est arrivé dans le showroom d'YCF qui est caché là-bas. Il y a un petit rideau maintenant. Là, je vois des belles petites nouveautés, les nouveaux coloris qu'on connaît. Eh ben, c'est la nouvelle Biggie XL 16-19. Ah, elle a des plus grandes roues? Mais non! Des plus grandes roues, des plus grands crampons. Oh, le kit gros frein d'origine. Voilà. Ah, la petite patte de départ. Bon, là, la nouveauté. On s'est dit, on va la proposer à Marquez, là, vu qu'il est plus Honda, il a plus de contrat, ni rien. Et peut-être qu'il cherche une moto d'entraînement. Donc, on lui a fait la réplique de sa Ducati d'hiver. Donc là, ça vient de sortir. Mini moto GP, une mini pistard, putain on dirait vraiment une petite terrain ou une petite 600 ou un petit truc comme ça. Oh là là, les pièces usinées mon gars. Oh, ça doit être... Moi je suis habitué aux petites supermotes et tout, ça doit être bizarre de poser le genou comme ça. Bon, tu nous montres ce qu'il y a de caché là-dedans quoi. Oh là 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 là. Oh là là, déjà ce musée là à chaque fois il... Alors tu sais que cette année YCF a 20 ans, 2024. Pour les 20 ans, on pourrait peut-être la redémarrer celle-là. Ah ouais, ça serait incroyable. Tu sais que quand on s'est rencontrés, Rallye des Mois, c'était sur une 107 Eno Sport. Ouais. Donc ça, ouais. Exactement la même. C'est la même, sauf que lui il avait une bleue, moi j'avais, elle était orange la mienne. Putain, toute l'évolution. Bon, ça, on avait déjà filmé ça quand on était venu la dernière fois chez YCF, mais c'était il y a un moment. Oh là là, franchement, ça mériterait trop de refaire une petite déco YCF comme ça, là. Non, mais ça, regarde la déco, comment elle déboîte. 2006. Celle-là, la petite Honda, là. Oh là 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 là, le kit déco avec marqué CR sur la selle, j'adore.
Oh là là, regarde, une belle biguille rose la boiserie. Eh, elles sont belles celles-là quand même. Ouais, c'est... La petite déco la boiserie du seigneur. Oh putain, tiens là, le chef il est venu là, il a piqué la pipe. Ah, on avait une rupture de stock. Oui, une petite rupture de stock. Le musée sert... le stock ambulant. Bon allez, tu nous montres ce bolide ou quoi? Oh non. Ah non, il est trop fort. Et du coup, c'est Lucien, on sait pas trop où situer, mais il est quand même très tout terrain. Ah non, la H2R, la mini H2R. Mais attends, comment c'est possible? Ah, t'as changé la fourche et tout? Ah, on a changé la fourche, on a changé les roues, l'amortisseur. Ah non, excellent. Oh, faut poser le genou dans la terre, quoi. Et quand j'ai levé, que j'ai vu la roue de crosse et que j'ai vu ça, j'ai dit non. Le pot d'échappement, il sort là. Ah ouais, d'accord, donc t'as la cartouche, mais t'as rajouté une petite caquette au bout. On peut la prendre et aller au château faire les mongols. Non mais poser le genou, mec, sortir des vignes et poser le genou, je suis trop pressé d'essayer. Bon bah bravo, franchement, belle surprise, je m'y attendais pas du tout. Bon alors, on remet en route la première ou quoi? Bah vas-y. Moi je suis super chaud. Bah, hein. Ah là là, les souvenirs. Ce qui est fou, c'est que nous, on les a eus, ces motos-là. Voilà la bonne étincelle. Gicleur principal, gicleur ralenti. Donc là, on a trouvé la panne. Là, les gars, s'il y a des marres, c'est comme une 500R. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la première YCF. Oh. Ah. Ah. Ah, je reconnais le bruit. C'est le bruit vraiment de la Ténosport. Oh, mec, je reviens 15 ans en arrière là. Elle s'arrête plus, hein. Mais ce qui est ouf, c'est que nous, avec Rallye, ça nous rappelle des souvenirs qui ont au moins 15 ans. Ah, il y avait 2005, 2006, non, c'était à 19 ans, mec. Oui. Nous, on a fait des millions d'heures avec ça, avec Rallye, hein, dans nos campagnes. Mais il est assez feutré, le bruit, hein. Il est magnifique. Il est bien. Et là, ça fait trop rappeler le bruit, là. Quand on était petit, je me rappelle... Ma mère, elle avait... Je me rappelle très bien de cette sensation où quand t'accélères, t'as l'impression que la roue, elle se met comme ça. Vraiment. Ou des fois, c'est faussé, cette sensation-là, et c'est le bloc qui se mettait un peu comme ça. Ouais. Parce que là, ça fissurait là, direct, là. Ça pétait là, à tous les coups, ça pétait là. Ah oui, ça pétait à tous les coups. Je l'ai sorti comme un poireau. Geoffrey s'est dit, je l'ai payé 800 balles, gros, tu pourrais prendre la mieux, la batterie, s'il te plaît. C'est pour nos 88, on les fait en France. Donc 60 volts, 21 ampères. Oh là là, je vois celle-là, là. On va faire une série de 30 motos, là. Pour l'instant, on avait fait 10 protos qu'on roulait, qui nous ont servi à développer un peu les motos et à apprendre, à comprendre, etc. À connaître les défauts. Oh, le refroidissement à air, c'est ouf. Ça, vraiment, je suis pressé d'essayer. C'est un monocylindre de piste, là. Oh, elles sont belles. Il y en a encore une avec une double ligne, là. Oh, elle est belle, celle-là. Oh, bah, c'est quoi, ça? T'as carrément un écran sur celle-là? Oh là là, le petit filtre, 25, deux sorties. Oh, elle est belle, celle-là. On a des boîtes. Ça, je regarde pas, c'est électrique. Ça, pour l'instant, c'est un vélo sans pédale. Regardez la tête de keuf qu'il a. Tu regardes pas s'il y a une plaque derrière sur ma Nérin? Je l'ai même pas encore mis, mon beau casque que Jackie Michel m'a offert sur mesure. Ça sait pas comment tu permettes. Là, faut vraiment sortir le genou comme sur une sportive. En fait, c'est vraiment une sportive plus petite. J'adore. En plus, elle est trop belle. Je suis pressé d'essayer la mienne en 190 cm3 avec les pneus cross. Bon, maintenant, les amis, qu'on a récupéré ce petit bolide chez YCF, là, voilà, dans le showroom, là, dans une prochaine vidéo, on va aussi monter dessus. On va essayer de poser le genou dans le terrain. J'avais envie de faire une vidéo comme ça où je vous parlais un petit peu de tout, de mon nouveau buggy, des YCF. Voilà, faire plein de moments, un moment où on parle un petit peu de tous les sujets. Et là, dans une prochaine vidéo, je pense que on va essayer de rouler un peu dans les champs avec, un peu faire les cons, essayer de poser le genou comme une sportive mais avec des pneus cross tout autour du château là. Elle est mortelle, on dirait vraiment ma HDR. Une fois qu'on aurait fait cette petite vidéo où on la teste, ça pourrait être drôle d'aller la tester dans le sable. Là, c'est un 190 cm3 les gars, c'est un moteur qui a le diable. Puis après elle rejoindra le musée.
les gars, on va aller voir la voiture à Dylan qui descend. Bon les amis, venez voir. Oh là là, la belle TDS. Ça avance là, les TDS, la M5 et tout, attention, chaud chaud chaud. Regardez-moi ce mur de la salle de muscu, comment il a disparu. On a fait un gros trou, une grosse ouverture. Et ici, on va remettre un pont. Comme ça, on va vraiment pouvoir exploiter la partie salle de muscu. On va remettre des outils le long du mur et tout, on va faire vraiment un truc sympa. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. Si vous voulez participer au petit concours du Seigneur, c'est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, on est 1 600 000, les gars. Regardez-moi le tas de merde à Dylan. Pas mal, beau moteur. La 323i à Dylan, 500 chevaux. Là, on a la Golf, à côté des chaussures de Dylan. Vous avez toutes les pièces de la Golf, du moteur de la R32. Là, on va grosse réfection du Seigneur, là, ça va chier des bulles. Oh là là, une belle E34 qu'on est en train de faire. 325i E30, neuf dans le papier, à la 16 000 km. Non, j'exagère, sinon, elle coûterait 4 millions d'euros. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On a passé la barre des 1 600 000. C'est incroyable et merci à vous de ouf. Si vous voulez participer au petit concours, tout est dans la description, que ce soit vous ou un ami ou faire participer quelqu'un d'autre. Ça dure encore 3 semaines. Un mois, ça vient de commencer, donc chaud 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 les amis, passez un bon week-end et je vous dis topette. Mais allez vous abonner au compte Mima Pipi.